Well, there are three clear pillars which we want to drive down in our management of safety. These are passion, rigor, and recognition. The foreman is our most powerful ambassador of safety on the shop floor. All our managers, our leaders, supervisors, they go to the shop floor. We have a target to spend 20% or more time in the shop floor. But if there is anyone who is omnipresent all the time, 24/7, it's the foreman. And this is what we want to do by installing what we call a foreman safety leadership program. This is a project which will be rolled out all across all sites of Long Products Europe. As we like to say, safety is non-negotiable, and therefore there is no site which will stay out of this program. The coverage includes all operations, all sites, and every part of the plant in which we are making steel. We expect this to be rolled out as a pilot site in Luxembourg. This is already happening. We are very happy to see the program being in execution mode. Using the learnings of the pilot site at Luxembourg, we now aim to roll out the program all across Long Products Europe. Julie Malherbe, j'ai 42 ans. J'ai intégré ArcelorMittal en 2004 dans une usine du plat carbone Europe et je viens d'être récemment nommée responsable Long Product Luxembourg en tant que responsable sécurité. Nous sommes très fiers de faire partie du site pilote pour Long Product Europe. Les contremaîtres sont une partie importante et c'est le pilier en termes de leadership sur le terrain avec les équipes. Il est vraiment important que nous améliorions les compétences managériales de nos contremaîtres sur le terrain. C'est eux qui sont présents 8 heures sur leur poste de travail et qui véhiculent des messages en termes de sécurité. Un des points aussi, c'est l'exemplarité qu'ils peuvent montrer vis-à-vis de leurs équipes. Et on veut accentuer en fait ces connaissances managériales pour les aider au quotidien à mener des actions de progrès en termes de sécurité, de productivité et de qualité. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup de recouvrements sur les contremaîtres actuels et donc on a une jeune génération. Et on veut leur donner tous les moyens nécessaires pour animer au mieux leur groupe de travail sur le terrain en termes de sécurité et leur donner aussi des valeurs importantes pour nous en termes de sécurité. Donc ça passe par la formation, ça passe par des explications claires sur leur job description, sur leur rôle, leur mission au quotidien. Il est vraiment important qu'on passe du temps avec les contremaîtres pour montrer leur importance dans l'organisation de LPL. Ce programme de Safety Booster Project est déployé sous 4 axes. Le premier axe, c'est sur la description du rôle et des missions du contremaître. Un axe qui va être plutôt connaissance des soft skills et pour un contremaître. Ensuite, le troisième point de travail sera de reconnaître et de l'appropriation des contremaîtres pour valoriser le travail réalisé par les contremaîtres. Et le dernier point sera un support de formation pour les nouveaux contremaîtres pour accéder à cette fonction.